Dépêchons-nous de monter jusqu'au sommet. Wow! Oh, il se passe vraiment des choses très étranges. Oh, Vous croyez que c'est Ninjaka qui nous a repérés? Aucune idée. Mais il vaut mieux ne pas rester là, ça devient dangereux. Laissons les pièges à moto ici. Vous avez entendu? C'était quoi ce bruit? Hein? Wow! Hein? Yo-Yo acrobato! Hein? Des geysers de glu? Attention! Wow! Il faut filer d'ici en vitesse. Accrochez-vous! Wow! Il se passe des choses curieuses. Ce n'est pas Ninjaka qui a fait ça. Non, les geysers sont sortis de terre tout seuls. Mais ce n'était pas non plus un hasard. Oui, on dirait que la montagne mystérieuse est en colère. Non, c'est forcément Ninjaka. C'est peut-être la présence du Gongo dragon sur la montagne qui provoque tous ces événements étranges. Il faut d'abord arrêter Ninjaka avant qu'il ne fasse des dégâts. À nous de jouer. Regardez, le ciel se dégage. Évitons de passer par le sentier et montons directement au sommet. Si on contourne les pièges de la montagne, on gagnera du temps. J'ai une idée. Gluglu main collante. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Mais oui, je reste avec toi. Allez les copains, je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Lancement dans 3, 2, 1... Il se passe peut-être quelque chose au QG. Allons vérifier. Allez voir pourquoi Pyja-Robot ne répond pas. J'occupe Roméo pendant ce temps-là. Eh oh, par ici! Pyja-Robot a dû se dire que si jamais il lui arrivait quelque chose, on ne le réparerait pas, lui non plus. C'est sûrement pour ça qu'il est parti. On ne va pas le laisser seul en ville avec Roméo dans les environs. En avant! Je vais surprendre Roméo en bondissant comme une panthère. Et maintenant, rugissement! Ouais! vieux tas de ferraille. Mini-robot? Non. Mais le professeur ne peut pas être devenu méchant. Il nous a appris tellement de choses. À faire la roue et plus encore. Oui, j'ai adoré son cours sur les chats égyptiens. Et moi, celui sur les bébés serpents. Ça m'a aidé à mieux comprendre ma nature de reptile. Et le cours de chasse au trésor, ça nous a appris à chercher des choses. Et ça m'a donné l'idée d'utiliser ça. Ivovision. Les voilà. Ne bouge pas d'une plume, Ninjaka. Qu'est-ce que tu as fait à notre professeur? Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Oh, moi je crois que si. Notre professeur devient tout à coup ninja et tu n'y es pour rien. Ça m'étonnerait. Ninja Vlan. Oh, tête de piaf, tu n'as toujours pas compris. C'est un ninja, un point, c'est tout. Est-ce que tu nous vois faire de la magie pour l'ensorceler? Ou lui jeter des sorts? Non, on n'y est pour rien. C'est l'heure d'être de vrais héros. Ah, attention, les pyjamas qui arrivent. Ninja, oh! Non, d'un hibou déplumé. Vite, Gluglu. Gluglu, méga muscle. C'est la vérité, les pijanouilles. Votre professeur est devenu ninja tout seul, sans mon aide. Où il est passé? Trouvez-le. Nous aussi, on doit le trouver. On a école demain, il faut qu'il soit là. Bibou, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Surtout s'il est devenu super méchant. Au fond, il ne l'est pas, j'en suis certaine. On le connaît depuis la maternelle. Ninja! Vite! Ninja! Ça suffit, Roméo. On dirait que le matou à rayures a besoin de se rafraîchir. Allons aider Yo-Yo. Bibou, arrête d'énerver Roméo, tu ne fais qu'empirer les choses. Je te rappelle qu'il a cassé mon astro, Bibou. Tu sais, Bibou, pour un pyjama, tu es plutôt sympa. Et si on lui prenait le rayon glaçant? Comment? Avec mes papinouilles. Et avec ton... Tu vois le truc que tu fais avec tes ailes? Mon Bibou tornado. Hein? Je l'ai. Vous avez cassé ma machine. Peut-être que Pyja-Robot pourra la réparer quand il aura fini avec mon astro-hibou. Bibou, il faut que tu arrêtes de vouloir te venger. Il t'a gelé, mais je t'ai libéré. Mais c'est parce que tu as énervé Roméo que Yo-Yo a été glacé. J'essaie simplement de l'empêcher de brouiller toutes les machines de la ville. Ah oui, tu ne cherches pas à te venger de lui. Non, d'un hibou déplumé. Mode fusée activé. Ils vont voir ce que ça fait quand je m'énerve. On se refait un vol plané? C'est vrai que c'est amusant. Hé, Motsuki, tu viens? Qu'est-ce que les pyjaminus et Sorceline sont en train de manigancer, hein? Robot, tu trouves que c'est le bon moment pour nettoyer le labo? Tu feras ça plus tard. Désolé, maître. Robot a profité que vous semiez la pagaille avec vos brouilleurs pour faire le ménage. C'est maintenant que je vais mettre la pagaille. Je vais déposer mes brouilleurs dans toute la ville. Pas si on t'en empêche. Bibou tornado. Oh non, annulez, maître, annulez. Au revoir, l'inventaire foufou. Wow, vas-y doucement, Pyja-Robot. La forteresse lunaire de Sorceline émet un signal. Il vaut mieux qu'on aille jeter un œil. Il se passe peut-être quelque chose d'important. On n'en a pas pour longtemps. Préparez-vous pour l'atterrissage. Allons voir les alentours. Oh, j'ai trouvé quelque chose, les amis. Oh, des traces de pneus. Ce n'est pas Sorceline qui les a faites. Roméo et son labo? Impossible! Il est sur Terre, il est en train de réparer Robot. Ces traces datent peut-être de la dernière fois qu'il est venu ici. Hein? Tu avais raison, Pyja-Robot, il n'y a rien ici. C'est bon, on peut repartir à la chasse à la comète. Piloter? Oui, bien sûr. Je te laisse les commandes. Me sentir un peu plus fort. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ralentis, Pyja-Robot. Allez, active la marche arrière. Je vais reprendre les commandes. Ça va aller. Wow! Wow! Bibou, tornado. Gluglu, méga muscle. Farfezoive. Wow. Hein? Qui a dit les farfelous, eux, ils sont sympas avec le farfezoive? Je suis pas là pour être sympa, je suis là pour vous donner des ordres. Ninja trampoline. Commençons par attraper les farfezoives. Ensuite, il va falloir les convaincre de quitter la montagne. Oh, c'est à moi! Non, c'est la mienne! Donne-la-moi! Ça a un goût de vieille chaussure! Tu crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse ensuite? Se rouler dans les poubelles? Je sais pas. J'espère pour nous que ça va marcher. Alors, on est devenus tout garous, ça y est? On est pareil qu'avant. Non, regarde, j'ai des cheveux jaunes maintenant. Non. Hein? Fini de jouer, les farfelous. Donnez-nous ce chien. Ce chien garou est avec nous. Yo-Yo, va chercher Philou pendant que nous, on les occupe. J'y vais. Yo-Yo, rapido! Hé, les farfelous! Je vous ai déjà montré mon bibou tornado. Nos pouvoirs farfelous sont 1000 fois mieux. Psst. Philou, viens ici. Allez, remue tes papas, t'es bien ici. Oh. Hein? Hé! Hein? Pas les pattes! Hurlement garrot, Tilou. Pour ça, il faudra d'abord m'attraper. Par mes oreilles de chat, ce chien a une dent contre moi. Gluglu, main épique. au super zigzag. Wow. J'avais presque réussi. Viens, Scarlou, tu nous montreras comment nous transformer ailleurs. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire? Encore? Les étoiles collantes, c'est bien. Mais on peut faire mieux que ça, je suis un super ninja. D'accord, mais si on vous demande, c'était mon idée. Oh, maître Yo-Yo, c'est le bruit d'un petit oiseau qu'on entend? Non, c'est celui d'une étoile collante. Les ninjas! Reste calme. Yo-Yo, rapido! Ignorons ce ninja, maître Yo-Yo. Cette montagne doit me rendre calme et rien n'arrivera à me déranger ou à m'énerver. Tu parles comme un véritable héros. Mais il vaut mieux qu'on monte tout en haut. On ne sait jamais. On dirait bien que le tatou énervé reste calme. Mais je sais exactement quoi faire pour le mettre en colère. Rire diabolique. Ça suffit. Tu avais raison au sujet de cette montagne. Je me sens tout à fait détendue. Ouais, ça a l'air de bien marcher. Et ce rocher au milieu du chemin est moelleux et super confortable. C'est très reposant. Ah oui? Alors ça doit être un rocher coussin. Utilisé depuis des siècles pour s'asseoir dans un coin tranquille et penser à des choses calmes. C'est bizarre, maître Yo-Yo, c'est la première fois que j'entends parler de rocher coussin. Oui, mais on dirait qu'il fonctionne. On a beaucoup de chance d'être tombé dessus par hasard. C'est un coup de Ninjaka.